Donald Trump, quand on l'entend à la télé, hein, je pense qu'il y a des gens, ils ont juste envie de se pendre. Hein. non, mais tous les discours qu'il fait, mais... Pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais raciste ! Qu'est-ce que c'est ? Dégueulasse à entendre ! Ah, c'est... Uah ! Qu'est-ce que t'as entendu qui t'a dit c'est dégueulasse à entendre ? Ben, que les femmes doivent faire le ménage, s'occuper des enfants, pendant que les hommes travaillent et tout. Que les hommes ont plus de droits que les femmes. Que les migrants, il faut les mettre à l'écart, qu'il va mettre des barrières autour de son pays pour ne pas qu'ils viennent. Pourquoi tu dis que c'est pas normal ? C'est pas normal parce que je vois pas pourquoi les hommes auraient plus de droits que les femmes. Ce sont tous les deux des humains. En plus, les femmes... Quand elles accouchent, quand même, je sais pas, les hommes, tout ce qu'ils ont à faire, c'est rester dans la pièce. Hein. Et en plus, les hommes, ils sortent beaucoup plus en boîte que les filles. Hein. C'est vrai? Bah, oui. Je sais pas, mais moi, je trouve ça dégueulasse. Donald Trump, c'est... En fait, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le fric, d'éloigner les gens pas comme lui. Et tous ceux qui n'ont pas la même religion qu'eux, ben, ça sert à rien de rester en Amérique. Hein. Et du coup, moi, je trouve ça dégueulasse. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Parce que moi, j'ai préféré que c'était l'autre. Pourquoi ? Parce que l'autre est beaucoup plus raisonnable. Ah ! Elle est raisonnable, pourquoi ? Parce que lui, il va pas voir sur Internet. Ah. Lui, c'est normal qu'il n'a pas été président. Parce que lui, il n'a pas triché. Il n'est pas allé voir les idées d'Internet. Ah, quand on va voir les idées sur Internet, on triche, en fait. Oui, on triche. Comme en classe, moi, des fois, Nathan, il triche sur la feuille de Lily. Ah. Des fois, il regarde sur la feuille de Lily. C'est la même chose. Aller voir sur Internet les idées des gens, c'est tricher. Oui, exactement. Ah, d'accord. Donc, Internet, c'est pas bien. Enfin si, c'est bien si on va faire des trucs, mais pas pour les idées de parler. Par exemple, maman, c'était bien qu'elle aille voir sur Halloween parce qu'elle savait pas quoi faire. Donald Trump, il sait pas quoi dire, alors il a été voir sur Internet. Mais maman, c'est pour Halloween et c'est très important, Halloween. Ah. Tandis que d'être président, ça n'a rien d'être important. Donald Trump, et il a pris les idées des gens ? Ben oui, pour se faire pour donner envie à tous les gens. De faire quoi ? Mais de voter pour lui. Mais ça sert à quoi de voter pour lui ? Ben pour l'élire, pour que ce soit lui qui décide les règles, que ce soit lui qui dise par exemple à tous les gens d'être contre les musulmans ou contre ceux qui n'ont pas la même religion. Et c'est pas bien ça ? Ben non. Pourquoi ? Ben parce que même si t'as la peau noire, même si t'es d'une autre religion, t'es un humain comme tout le monde. Mais en fait, il est raciste, alors il aime pas les noirs et tout, mais alors pourquoi il aime bien Barack Obama ? Il aime bien Barack Obama ? J'en sais rien. Ouais, c'est ça que tu viens de dire. Oui, mais peut-être qu'il aime pas, peut-être qu'il aime bien. Mais quoi, à la TV, ils étaient en train de parler avec. Uh-huh. Et donc, il a dit merci Barack Obama. Ils se sont serrés la main. Ben oui. Tu crois que c'était pas vrai ? D'un côté, c'est vrai s'ils disent à la télé. Mais Trump, en fait, il est pas quelqu'un de vrai. Il est pas quelqu'un de sincère. Pourquoi ? Il n'est pas quelqu'un de sincère parce qu'il ne dit pas vraiment les choses que lui, au départ, il avait pensé. Il a préféré aller voir sur Internet pour voir ce que les gens pensaient de lui. Il l'a dit pour donner envie et que tous les autres votent contre lui comme président. Et donc, ça, c'est pas bien. Il a menti alors ? Il a menti parce qu'au départ, il avait une idée de ce qu'il allait dire et il a préféré aller sur Internet pour voir ce que les gens pensaient de lui. Il a dit ça. Moi, tu sais ce que je trouve pas bien ? Dis-moi. C'est que Hillary Clinton, elle a été juste. Elle a dit vraiment ce qu'elle pensait. Tout ce que Hillary Clinton a dit, c'est vrai ? Non. Tout dire de vrai, c'est pas possible. Enfin, il y a toujours un truc qui est faux. Que les gens sont pas d'accord ou quelque chose comme ça. Uh-huh. Et que Donald Trump, tout ce qu'il a été se servir, c'est aller sur le net, chercher tous les trucs que les gens voulaient attendre du pays. Ouais. Il les dit comme ça, tout le monde, ouais, Trump, et les votes. Et hop, là, Trump est président. Et c'est de la triche, parce que lui, il a beaucoup d'argent par rapport à Hillary Clinton, à cause de son papa et tout et tout. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il achète les gens. Au mieux d'être vrai, de dire vraiment ce qu'il pense, il dit juste ce que les gens veulent savoir. Bah, tandis qu'Hillary Clinton, elle dit ce qu'elle pense, ça plaît pas, tant pis.
que lui veut absolument que ça plaise aux gens. Si ça plaît pas aux gens, ben faut encore aller voir sur le site pour être sûr de ce qu'il va dire, pour être sûr que ça plaît bien. Et c'est bien ou c'est pas bien ça? Ben c'est pas bien. Enfin, vaut mieux dire ses idées que les idées des gens. Parce que, imagine, donc maintenant, il a été chercher les idées des gens. Mais maintenant, les gens, ils vont plus mettre les idées qu'ils ont envie et tout. Si ça tourne Donald Trump, maintenant, il va faire des choses que les gens n'ont pas envie. Mais alors, les gens ne seront pas contents? Ben non, ils ne seront pas contents. Là, il y a déjà une révolution. Si maintenant, il y a ceux qui ont voté pour Trump, sont pas contents de ce que Trump fait, l'Amérique... Qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'Amérique va partir en... spirale. Je sais pas comment expliquer. Va partir en pays de fou, de guerre. En fait, il va juste empirer. C'est tout ce qu'il va faire. Et du coup, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse que ce soit lui qui soit élu.